Allez, salut tout le monde, c'est Tazo Récupération. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro. C'est le numéro 6, oui, c'est ça, de notre aventure 100% sur Super Mario 3D All-Stars. Plus précisément, l'épisode 6 de l'épisode de sur Super Mario 64, tout simplement, sur le tout premier jeu Mario 3D, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce qu'on connaît bien, si les gens connaissent bien l'histoire de Nintendo, ce n'est pas le premier jeu Mario 3D, hein, tout simplement. Il y en a eu un petit peu avant qui a pas été diffusé. Alors du coup, on continue un petit peu notre aventure sur Super Mario 64. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait fait le niveau B des Petits Pirates, dans lequel on avait fait toutes les étoiles, et on avait fait une étoile secrète dans le niveau de la glissade de la Princesse Peach. Donc du coup, voilà, donc je vais un petit peu vous montrer, hein. Un petit peu vous montrer, voilà, donc du coup, B des Pirates, on avait du coup récupéré une étoile dans la glissade de la Princesse Peach, sachant que du coup, on va devoir récupérer la dernière étoile parce qu'il nous en manque une dernière ici. Mais avant, on va tout simplement aller dans le quatrième monde. On va dire, monde, je sais pas si on peut appeler ça monde, mais plutôt niveau du jeu. Donc, c'est derrière cette porte, tout simplement. Donc, du coup, c'est parti. Hop, c'est parti. Grâce à la puissance des étoiles, la porte s'ouvre doucement. Ok. Alors, donc du coup, toute une nouvelle atmosphère. Donc, est-ce qu'on a des panneaux ou des toads? Ouais, il y a un petit panneau ici. Alors, arrêtez-vous et appuyez sur ZL pour vous accroupir, puis appuyez sur B pour faire un saut périlleux en arrière. Pour faire un saut périlleux du côté, courez, changez de direction, puis sautez. Ces deux types de sauts vous permettront de sauter beaucoup plus haut qu'un saut normal. Ok. Alors du coup, c'est parti pour entrer du coup dans ce niveau un petit peu plus hivernal, vu que c'est un niveau de glace, enfin un niveau de neige plutôt. Donc du coup, c'est parti. Montagne glagla, glissade sur glace. Alors du coup, nous voici sommet du glacier. Attention à ne pas glisser. Tout d'abord, visitez ce chalet. Donc du coup, voilà. Le Père Noël n'est pas le seul à passer par les cheminées. Avis aux curieux, le bonhomme de neige. Alors du coup, ici il y a plusieurs panneaux dans lesquels on va un petit peu apprendre connaissance un petit peu du niveau et tout ça. Attention, crevasse de glace juste en dessous. Ok. Ok, sachant qu'ici, si vous savez pas, je sais pas s'ils l'ont corrigé, mais est-ce qu'ils l'ont corrigé? S'il y a plus l'ombre dans Mario, ils n'ont pas corrigé. S'il y a l'ombre... est-ce qu'ils l'ont... Ah non, ils l'ont pas corrigé. Ah, ils l'ont pas corrigé. Donc, il y a moyen de passer à travers ce sol. C'est marrant, mais... voilà, donc du coup... Du coup... Je suis en train de me rendre compte... il n'y a pas d'autres panneaux pour le moment. Bon, bah écoutez, on va aller du coup dans la cheminée. Alors, petite glissade du coup. Petite glissade, alors. Attention, glissade périlleuse. En voiture, Simon. Inclinez le stick gauche vers l'avant pour accélérer. Inclinez le vers l'arrière pour ralentir. Roulez, jeunesse. Donc du coup, les amis, au cas où ici, il y a un petit passage secret qu'on va prendre, tout simplement. Hein, là aujourd'hui on s'attaque pas pour, enfin pour le moment on fait pas l'étoile des 100 pièces. Je regarde si la vidéo marche et tout. Mais la vidéo a l'air de marcher, c'est parfait. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de bug. Oui, parce que maintenant je regarde, hein, on sait jamais. Alors, oula, attention. Voilà le petit raccourci. Alors ça c'est une boîte à vie, ça me sert honnêtement à rien du tout. À rien du tout. Bon bah écoutez. C'est parfait. Et du coup, nous avons notre étoile, les amis. Notre première étoile de l'épisode. On verra si on réussit à avoir le quota habituel. Donc du coup, un quota de moyenne de 5, hein, je me dis. Et donc du coup, ça nous fait notre 28e. Yes. Vas-y, ma puce va dormir. Attendez, j'ai le chat. J'ai le chat qui va sur le clavier. Il faut pas. attendez, va-t-elle essayer de se coucher. J'arrive. Attendez, ah là là. Ce qu'il faut pas faire. Allez, viens. Allez, va te coucher. Mon amour. Attention. Voilà. Parce qu'il faut pas que le clavier lui tombe dessus. Voilà. C'est bon. Ceci est réglé. On peut continuer. Donc, du coup, petit pingouin perdu. Donc, on sait c'est lequel. Il y en a un là. Donc, c'est forcément celui-là. Bon, je connais le jeu par cœur. Donc, ce n'est pas non plus une nouveauté. Alors, du coup.
on va passer par là. Enfin, en même temps, vu qu'on fait le jeu de manière legit, on va pouvoir actionner le petit canon. Et parce que si vous ne savez pas, ici, il y a un canon. Hop. Hop. Alors, du coup. Pas de panneau à lire pour le moment. Je regarde parce que... Ça, c'est rien. C'est parce que j'ai reçu une notification. Une petite notification des familles. Ok. Alors, du coup, on va prendre ce petit téléphérique. S'il vient. Est-ce qu'il vient? Ah, il vient pas. Donc, t'es obligé de descendre de l'autre façon. Ah, intéressant. Ok. Bon, bah, on va descendre par là. Enfin, on va y aller par là. Ouh, c'était chaud, ça. C'était chaud. Tic, tic, tic. Parfait. On a réussi. Alors, là, il y a un panneau mais qu'on lira quand on fera les étoiles des pièces rouges. Alors, du coup, tac, tac. Attention. Voilà, bon, ben, ça reste assez simple, hein. Ah, il y en a un deuxième, mais... Normalement, c'est celui-là qu'on tient dans les mains, vu que c'est le plus loin. Et du coup, voilà. Tu as trouvé mon bébé, mon chou, mon petit chou. Comment te prouver ma gratitude? Tu es formidable. Tiens, prends cette étoile, tu l'as bien méritée. Encore merci, petit. Et du coup, on a notre super étoile. Bah voilà, c'est nickel. Alors du coup, on a l'étoile, mais on a le canon là. Bah on ira prendre le canon à la fin. On ira prendre le canon à la fin. Voilà. 29e étoile. Donc ça nous fait 2 étoiles aujourd'hui pour le moment. Ce n'est pas fini, hein. C'est loin d'être fini l'épisode. Mais voilà, comme ça, ce serait bien qu'on arrive à faire notre quota de 5. Ce serait bien. En moyenne, course du pingouin. Ah ah. Bon ben on sait où aller, hein. La course du pingouin, si vous savez pas, c'est ici, c'est dans la cheminée. Parce que du coup il faut faire la glissade mais sans tricher cette fois-ci. Faut pas user le petit raccourci. Salut mon tout petit Barrio. Alors il paraît que tu es un rapide. Mais est-ce que tu es aussi rapide que moi? On fait la course mon petit biquet. Partez. Bah oui, prêt, partez, c'est parti. Bon ben c'est parti. Cette fois-ci il faut pas traîner, il faut pas prendre le raccourci. Parce que sinon elle va nous accuser de tricherie. Et donc du coup ben on va pas pouvoir faire quoi que ce soit. Alors du coup, voilà. En plus vous avez vu, il y a des pièces de partout. Donc pour l'étoile des 100 pièces, ici c'est parfait. Ok. En fait c'est pas évident parce que vu qu'il y a le retard bouton, il faut que j'arrive à anticiper. Mais le truc, j'ai tellement peur de tomber que du coup c'est un petit peu compliqué. Et voilà, nous avons réussi, nous sommes arrivés en premier. C'est ça en fait, la ligne d'arrivée, je pense que vous l'avez vu, c'est le petit sol. Quoi? T'as battu mon record? Je l'admets, tu es très rapide pour un humain. Je n'ai pas de médaille d'or sur moi, mais cette étoile fera l'affaire. Ok. Sachant que Bargon de la Galaxie, il précise que c'est une médaille d'or, l'étoile. Mais bon, admettons. Et du coup, nous avons notre 30e étoile et nous sommes au quart du jeu. Et oui, nous sommes au quart du jeu pour le 100%. Et ben, donc du coup, logiquement, nous sommes à 25%. Logiquement du à droite. Si je me suis pas fail. Mais normalement on est à 25%. Vous avez récupéré 30 étoiles de puissance. Vous pouvez désormais ouvrir la porte marquée d'une grosse étoile. Mais avant de foncer comme un dingue vers la porte, êtes-vous sûr de vous avez d'avoir rien oublié? Avez-vous enfoncé les deux piliers? Avez-vous toujours votre casquette? Si vous l'avez perdu dans le désert, allez battre le croupion du vilain vautour. On dit que Bowser s'est réfugié dans les profondeurs de l'océan. L'avez-vous rencontré? Ok. Bon ben, on saura quoi faire pour les futures fois. Donc, 8 pièces rouges givrées. Et du coup, c'est l'étoile des 100 pièces à présent. Alors, je pense que vous avez deviné. D'abord, on va d'abord faire l'étoile de la cheminée. Parce que de toute façon, on est obligé de remonter et de redescendre et de faire tout le va-et-vient. On va d'abord prendre la voilà, tête pièce rouge. Et on va aller là-dedans. Et on va faire du coup, on va récupérer le maximum de pièces. Alors par contre, toi, j'ai pas du tout envie de te parler. Voilà, c'est parfait. Ok. Alors là. Alors au cas où il y en a... sans la glissade on peut pas vous faire les 100 pièces. Sachant que si on en loupe, vous avez vu qu'on en loupe. Mais ce n'est pas très grave parce qu'il y en a beaucoup d'autres derrière. Mais c'est insuffisant parce qu'on est obligé de faire la glissade dans lequel il y en a une soixante-dizaine environ. Donc voilà quoi. Voilà. Donc du coup,
Ouf, j'ai failli tomber, mais on est à 76, sachant qu'en plus les pièces rouges en donnent 2 et tout. Donc du coup voilà. Et nous sommes, voilà, donc du coup, on va pouvoir récupérer cette étoile. Voilà, enfin cette pièce rouge, pardon, qu'est-ce que je dis? Pas cette étoile du tout, non, non. Alors du coup, on va actionner déjà le petit téléphérique parce que nous avons la bonbombe dans laquelle on doit parler. Alors là, il faut faire très attention parce que c'est un poil dangereux. Ok. C'est bon, nous sommes, on y est arrivé. Alors, il y a le panneau déjà. Danger, vent violent, sachez utiliser les courants à votre avantage. Ok. Salut l'ami, je vais te préparer un joli canon. Bon, du coup, comme ça, ça nous prépare un canon. Ça, c'est bien pour une étoile. Qu'on fera peut-être aujourd'hui ou pas, ça dépend. Canon prêt à tirer. Allez, saute à l'intérieur. Ok. Je regarde si tu t'enregistres. Donc, du coup, voilà. Vent violent. On connaissait le truc. Alors, du coup, on va récupérer le reste des pièces rouges. Alors, il y en a une. Hein, je connais le jeu par cœur. Donc, logiquement, on ne devrait pas avoir de soucis. Par contre, ça glisse beaucoup. Donc, oui, parce que regardez. Si je veux freiner, ça glisse un petit peu. Donc, il faut faire très attention. Ok, 4. Ils ont corrigé le Belgique. Non, enfin oui, je pense qu'ils l'ont corrigé ici. Ok. Alors, ok, nous sommes ici. Donc, on va devoir partir cette fois-ci, ce côté. Alors, par contre, j'aimerais tout récupérer sauf ça. Voilà, ça oui. Ok. Bon, stop. Voilà. 5. Donc il nous en manque plus beaucoup. Bah 96, 98 et 100. Logiquement, on a le total là. Donc on va pouvoir aller récupérer le reste des pièces rouges. Alors là, il y en a une ici. Il faut faire très attention parce qu'elle est fourbe. Hein. Voilà. Alors du coup. Ouh, merci le petit glitch. Ça glisse beaucoup, c'est vrai, dans ce niveau. Hop, alors. Ici, 7. Ah, par contre, toi. Attention, crevasse de glace juste en dessous. Ok. Ah, mais il y en a une là, normalement, en plus. Donc, on doit glisser tout là-haut. Donc, on va d'abord récupérer celle où il faut glisser. Qui est un petit peu plus risquée. Ok. On va récupérer celle où il faut glisser. Voilà, on va prendre le petit warp. Oui, il faut le savoir qu'il y a une warp ici. Hein. Il faut vraiment savoir. Alors là, il y a une petite pièce rouge. Caméra. Merci. Alors, 7. Et la dernière pièce rouge, elle est là. Non, oui, on sait. Alors du coup, elle est là. Parfait. Et comme ça, on va pouvoir voir l'autre étoile en face. Et donc du coup, aujourd'hui, ça nous fera notre quota d'étoiles. Mais on a encore du temps, donc on va pouvoir continuer. Vous avez récupéré 100 pièces, Mario sera désormais plus puissant. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Alors là, par contre, il faut faire un saut à longueur. Voilà, assez dangereux, mais... Mais... Assez bien, sachant que... Ok, ici, il n'y a rien. Donc du coup, on va pouvoir récupérer cette étoile-là. Donc du coup, ça nous fait notre quota, déjà, 32. Donc il nous en manque 2 étoiles ici, je crois. Ah, il nous manque 2 étoiles, donc on a le temps. On a le temps. C'est parti, on va pouvoir re-rentrer dans le niveau. Bonhomme de neige sans tête. Alors, le bonhomme des neiges sans tête. Ok, on va passer plutôt par là, ça sera mieux. Allez, viens. J'ai perdu la tête, on dirait. Connais-tu quelqu'un à la recherche d'un corps? Je suis peut-être petit, mais je grandis vite. Guide-moi, je te suivrai n'importe où. Allez, go! Ça, il faut pas vraiment pas perdre de temps, il faut l'amener en bas en fait. Au bonhomme de neige en fait, tout simplement. D'ailleurs, c'est une mission très inspirée. Non, c'est Billy Hatcher qui s'est inspiré plutôt. Billy Hatcher qui a inspiré cette mission dans Mario, dans ce Mario. Oh non, mon corps a fondu. Tu ne pourrais pas m'aider, petit homme. J'ai besoin d'un nouveau corps. Je dois faire un golf demain. Ok. Oui, donc Billy Hatcher s'est inspiré de cette mission dans Mario 64. Donc, du coup, voilà quoi, c'est juste dingue. Et du coup.
Cool! Quel super corps! Maintenant, je vais pouvoir les draguer. Tiens, voici un petit quelque chose pour toi. Bon, ben ouais. Ça nous fait notre sixième. Ça nous fait notre sixième étoile. Parfait. Et du coup, on va pouvoir récupérer la dernière aujourd'hui, vu qu'on a encore 5 minutes devant nous. On a 5 bonnes minutes. Bonhomme de neige sans tête. Et du coup, c'est parti. Mur pour rebondir. Alors, c'est une mission un petit peu casse-gueule, celle-là. C'est une mission un petit peu casse-gueule. Donc, on va descendre tout en bas. Parce que, ici, l'erreur peut être fatale dans cette mission. En tout cas. On n'aura pas trop... Enfin, on pourra avoir, à certains endroits, une seconde chance, mais... Paf, mais pas tout le temps. Hop. Ok. Attention. Aïe. Bah oui, ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal. Bien sûr, bien sûr. Sachant que après, on fera du coup l'étoile de la glissade. Hein, je vois qu'on a, non, ouais, on aura le temps, je pense, de faire l'étoile de la glissade. Comme ça, après, on aura fait toutes les étoiles de ce hub déjà. Donc du coup, il faut prendre le canon parce que c'est le seul moyen d'aller là-bas, sauf en trichant de l'autre côté, mais on va pas tricher. Alors, du coup, il faut viser l'arbre. Viser l'arbre. Si j'y arrive, puis, allez. Voilà, comme ça. Et du coup, un petit peu plus haut. Voilà, comme ça. Nickel. Et du coup, on va pouvoir partir de ce côté. Et oui, donc du coup, pour compliquer la tâche, il y a quelques petits ennemis à faire très attention. Musique toujours toujours énorme. J'aime beaucoup cette musique, honnêtement. Elle est très stylée. Pourquoi ne pas escalader cette pente en courant? Petit rappel, pour faire un saut à longueur, courir, appuyer sur ZL, puis sauter. Ok. Donc, ce qu'on fait d'habitude, de base. Hein, donc, hop. Vous vous souvenez de l'impulsion? Utilisez cette technique pour atteindre les lieux, des lieux en hauteur. Rebondissez de mur en mur en inclinant le stick gauche dans la direction désirée. Entraînez-vous encore et encore et encore. Alors du coup, là ça va, on a un petit cœur, mais du coup, voilà. On doit faire ça. Par contre ici, c'est un petit peu plus compliqué parce que ici il faut faire un triple saut. Parce qu'on y est ici et pour arriver là, voilà. Et après ici, c'est assez... Alors, ici par contre, il faut faire très attention parce que on peut tomber facilement. Voilà, c'est bon. Parfait, nous avons récupéré du coup notre 7ème étoile de l'épisode. Et nous avons du coup fini logiquement ce niveau, tout simplement. Donc on va pouvoir récupérer la dernière étoile du prochain niveau. Alors merde, je me suis trompé. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parfait. Donc du coup on va pouvoir aller à la glissade de la princesse Peach pour récupérer du coup la dernière étoile de la glissade. Et après on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on aura récupéré du coup 8 étoiles. Donc vraiment on se démerde pas trop mal. Hein. On se démerde pas trop mal en 20 minutes. Hein, quand on joue legit, on se démerde pas trop mal. Parce que il y a tellement de façons de les récupérer comme celle-là. Il y a aussi une autre façon de la récupérer d'une façon pas très légale. Mais je vais pas le faire. Hein, je vais pas le... Là je filme. Donc enfin c'est un let's play. Donc un guide 100%. Je préfère largement faire la chose la plus cleanement possible, même si honnêtement ça m'arrangerait de faire le de faire le gros tricks ici, mais bon, on va être raisonnable. Et donc du coup on a, bon, cette étoile on l'avait déjà récupérée dans l'épisode précédent, mais on va récupérer cette étoile là et voilà. Alors par contre ici, si vous ne savez pas, voilà, il y a une petite c'est juste pour vraiment pour les curieux. Donc du coup 35 étoile et on va pouvoir s'arrêter là, sachant qu'on est déjà au quart du jeu, donc c'est déjà bien. Donc le 100% progresse rapidement mais sûrement. Donc les amis, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode parce qu'il est bientôt 20 minutes. On se retrouvera du coup pour la prochaine fois dans lequel on ira faire le prochain niveau. Donc on les fait dans l'ordre, donc le 5ème niveau du jeu sur 15, c'est quand même pas rien. Là vraiment on commence à vraiment rapidement avancer. On ira faire ce niveau-là. Alors, il faut tout simplement battre le bout pour débloquer le niveau. Donc, il y a plusieurs petits panneaux qu'on lira également. Il y en a un pour le moment. J'en vois qu'un. J'en vois deux, trois. Peut-être une quatrième là. Ouais, quatrième là. Donc, du coup, il y a quatre panneaux qu'on lira
En même temps, pour connaître un petit peu plus sur l'histoire du jeu, hein, un petit peu l'histoire des lieux, pourquoi ici, etc., etc. Comme on fait un petit peu d'habitude, en fait. Donc, du coup, ben voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et j'espère, en tout cas, que ce let's play ben, vous plaît encore et encore. Sachant que, du coup, on est loin d'avoir fini ce Super Mario 3D All-Stars. Parce que, même après avoir fini 64, il nous reste Sunshine et Galaxy 1 à faire. Et j'ai attendu une rumeur que le Mario Galaxy 2 sortirait dans la compilation en DLC. Donc, logiquement, il faut s'attendre peut-être dans les mois qui suivent à avoir le DLC. Mais bon, je préfère dire honnêtement, on n'y sera pas à Galaxy 2 pas avant longtemps. Déjà, même pour Galaxy 1, parce qu'on doit finir ce jeu et on doit finir Sunshine avant. Je préfère faire les choses tranquillement, mais sereinement. Voilà. Tranquillement et sereinement. Donc voilà. Bon, bah, du coup, je vous retrouve du coup pour l'épisode prochain qui sera du coup l'épisode 7 de ce Let's Play 100% sur Super Mario 3D All Stars. Et du coup, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.